Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet brûlant qui secoue actuellement la Côte d'Ivoire. L'arrestation de l'influenceur Apoutou National. Cette affaire fait le buzz sur les réseaux et on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts à en savoir plus, installez-vous bien et c'est parti. Apoutou National, de son vrai nom Stéphane Agbré, est un influenceur ivoirien qui a explosé sur la scène médiatique ces dernières années. Grâce à son charisme, son humour et son talent pour captiver son audience, il a su se faire une place de choix sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de followers. Mais qui dit célébrité dit aussi buzz et controverse. En effet, Apoutou n'est pas étranger au scandale et son nom se retrouve souvent au cœur des actualités chaudes en Côte d'Ivoire. Dernièrement, Apoutou National s'est lancé dans les paris sportifs, une activité qui fait de plus en plus parler de lui. Dans ses vidéos, il partage ouvertement son intérêt pour les paris, espérant ainsi inspirer ses fans à suivre ses traces pour gagner de l'argent. Il est notamment guidé par un certain Lionel PCS, un jeune pronostiqueur de 21 ans, qui se décrit comme un expert des paris sportifs. Ce dernier est devenu son mentor, lui indiquant quelle équipe choisir pour maximiser ses gains. Mais tout a pris une tournure inattendue lorsqu'une vidéo virale a montré Apoutou National et Lionel PCX exhibant une énorme somme d'argent cachée dans un sac. Ce clip a rapidement attiré l'attention non seulement des internautes, mais aussi des autorités ivoirienne. Face à cette démonstration ostentatoire de richesse, la police a décidé d'intervenir en convoquant les deux influenceurs pour s'expliquer. Certains internautes ont immédiatement commencé à spéculer sur la provenance de cette somme colossale. Beaucoup affirment que cet argent appartient en réalité à Lionel PCS, qui est devenu une figure énigmatique dans le monde des paris sportifs grâce à sa fortune impressionnante. Cependant, ses méthodes de gain suscitent des questions. Les autorités soupçonnent un potentiel blanchiment d'argent et ont demandé aux deux jeunes hommes de justifier l'origine de ces fonds pour écarter tout malentendu. Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. Certains fans d'Apoutou National lui apportent un soutien indéfectible, affirmant qu'il est victime de son succès et de sa notoriété. D'autres, en revanche, s'interrogent sur les influences négatives que ce type de comportement pourrait avoir sur la jeunesse, notamment en ce qui concerne la promotion des jeux d'argent. Eh bien, famille, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Cette affaire est loin d'être close et nous continuerons de suivre de près les développements pour vous tenir informés. Pensez-vous qu'Apoutou National et Lionel PCS sont en difficulté ou s'agit-il simplement d'un malentendu? Partagez vos avis en commentaire, ça nous intéresse de connaître votre point de vue. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent être informés. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines actualités. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!